Va? J'ai un petit douleur en bas du dos. Je pense que c'est normal. Ça va mieux. C'est bon, c'est réglé. Bah, finalement, moi, j'ai je plus suis là rien. pour ça, frérot. Je suis là pour ça, frérot. Merci. Je savais pas que t'étais ostéo. Pas de galère. Si tu me dis t'as mal quelque part, moi, je suis là pour. Ah, déjà, je vais commencer par dire que j'avais le meilleur sponsor pour faire ce que j'ai fait là. Et ça leur fait une pub géniale. Rinochet, je vous aime. C'était préparé, bien, hein. Il est préparé du coup, en fait. C'était scripté, tout ça. Peut-être que j'ai reçu un petit peu plus en termes de cachet et qu'ils m'ont dit bon, écoute, si tu peux. Non, franchement, bah, je suis arrivé là, hein, dans la grande Dunlop de la mort, ouais. Qui est redoutée par pas mal de gens. On a eu peur. J'en ai eu peur. En vrai, là, j'étais. Ce qui m'a surtout choqué, c'est que justement, là, j'étais en mode j'y vais. Dans ta tête, il y avait un R. J'y allais là. Ouais. Et là, ça perd un peu, quoi. Ça perd le grip. Et là, ouais, à ce moment-là, en fait, là, maintenant, là, je respire très fort parce que je me dis, j'ai fermé les yeux, en fait. Dès que j'ai tapé, j'ai fermé les yeux. J'ai dit, de toute façon, ça vient de taper. On verra, ça a duré archi longtemps, tu vois, dans ma tête, mais ça a duré archi longtemps, une éternité. J'ai eu le temps de faire le tour de ma vie. J'ai demandé, la première chose que j'ai demandé, c'est mon temps, et il était pas si mal. Franchement, il était pas si mal. Quand je suis revenu dans l'écurie, il y a plein d'autres écuries qui sont venues, déjà soutenir et tout. Théo, grosse force, et forcément, je me dis qu'à sa place. Ça, tu sais, ça me mettrait un coup quand même. Oui, que tout le monde s'inquiétait. Il y avait bien sûr, de bien compétition, sûr, bien sûr. Vraiment, bah ouais. Tout le monde était, bah voilà. Fallait bien un petit truc de show comme ça.